Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et Valérie Giscard d'Estaing. Alors, Valérie Giscard d'Estaing, merci d'être là. Parlez-nous de ce possible engagement, la France, vers la voie de la guerre. Cher Elkabbach, tout va se jouer à Verdun. Je pense que les Allemands sont capables de passer par la Suisse. Permettez-moi, au passage, de saluer votre nouveau présentateur de la matinale. Je salue M. Gildas. Bonjour, M. le Président. Non, c'est Thomas Soto, c'est pas Philippe Pardon, Gildas. Pardon, c'est monsieur Soto. Soto, oui. Très bien. Merci, M. Giscard d'Estaing. Non, c'est moi. C'est moi qui vous remercie. J'étais ravi de revoir M. Elkabbach. J'avais emprunté un dentier pour sortir en boîte. Arrête. Ça m'a permis de lui rendre ses dents. Il sera content, Jean-Pierre, ouais. Non, mais je savais qu'il en aurait besoin pour parler à l'antenne et surtout pour mâcher. Monsieur Morandini, toujours en retard. Non, il arrive. Allez, c'est notre ami Marc-Olivier Fogiel qui est maintenant avec nous pour cette nouvelle saison. Oui, oui, bien sûr. Ravi de vous retrouver. Julie, Laurent, Jean-Pierre, Antonin, André est là. Natacha, bonjour à Bruce Toussaint, bien sûr. Bonjour Marco. Dites donc, l'été, ça vous a réussi, Bruce. Oh, mais vous avez perdu vachement de poids pendant les vacances. Oh, combien il a fondu Marco. C'est quoi, c'est le régime du camp et du cul aussi. Oh, ça va, Marc-Olivier. Mais enfin, c'est pas Bruce, vous savez bien que c'est Thomas Soto, allons. Non, hop, oh là. Alors là, pardon, bah c'est alors, Thomas. Marco. Oh, pardon, Thomas. Alors là, je suis désolé. Donc on est passé, résumez-moi la situation, Julie, oui. On est passé de Bruce Toussaint, 400 kilos, à Thomas Soto, 17 kilos. À peu près ça, oui. C'est qui présente la matinale l'année prochaine, Passepartout. Bon allez, allez, Thomas, regarde comment on fait les titres, c'est parti ma Julie. Allez les titres. Allez, bonne nouvelle, c'est la rentrée et on démarre par oui, une bonne nouvelle. Nelson Mandela va mieux, on l'avait quitté mort fin juin, eh bien on le retrouve vivant début septembre. Alors, soit la médecine sud-africaine est très forte, soit Nelson Mandela est pas assez couillon pour mourir un 15 août pendant qu'on est tous en tongs à la plage. Ça doit être ça, ouais. Voilà, donc Nelson Mandela a quitté l'hôpital hier après-midi. Je vous donne la situation où oui. Il en est. Il est actuellement au premier feu rouge à 50 mètres de l'hosto. Hein, mais oui. Oui, parce qu'il a tenu à partir à pied. Oula. Et comme il lui reste 0,2 poumons, allez, bon courage Nelson, plus que 20 bornes. Bon courage. Kalachnikov et Aioli avec cette nouvelle fusillade la nouvelle fusillade c'est un jeu à Marseille. À Marseille, voilà, si vous avez complété dans la vie, ouais, fusillade et Marseille, ça va ensemble, gagné. Alors, Manuel Valls va sûrement redescendre bien sûr sur place comme à son habitude, et s'il descend à chaque fusillade, soit donc tous les deux jours, on lui rappelle que la SNCF propose des abonnements, fréquences et des cartes grand voyageurs. Le mieux d'ailleurs serait une déloc. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? Une déloc. Hein, pas, Jean-Marc, oui. Thomas, le ministère de l'Intérieur à Marseille, c'est pas mal. Bah oui. Hein, l'allure. Et le ministère des Finances en Suisse. Enfin, je propose, hein, moi. Bravo. Très bien. Et puis tennis, c'était l'événement de cet été. Ma petite chouchoute, enfin ma grosse chouchoute, Marion Bartoli. Non, recommencez pas, Marc-Olivier. A mis un terme, je l'embrasse, a mis un terme à sa carrière afin de se consacrer à sa passion. Sa passion, manger. Beaucoup et tout le temps. Non, on rigole, bien sûr. Ouais, Marion, ouais. Vous embrasse. C'était une grande championne, Marion Bartoli. Enfin, une grosse championne. Oh, allez. Et puis sport encore, un mot de judo et un cocorico avec ce sixième titre de champion du monde pour Teddy Riner, le colosse français qui mesure 2m15 pour 135 kilos. 2m15, 135 kilos, rendez compte. C'est la même taille, mais 30 kilos de moins que Bruce. Encore. Mesure 2m15, 165 kilos. Et qui t'attend à la sortie pour te casser la gueule, Thomas? Pas de problème. Voilà, Bruce va me protéger. Il va te faire un haut saut au gari. Oh là là. Voilà, bonne matière. Non, Thomas, il y a une porte par derrière, je te montrerai. Merci Marco. Merci Marc-Olivier. À la semaine prochaine, sans doute. Hein, avec plaisir. Pour les bonnes habitudes. Allez, il s'apprête à livrer une nouvelle bataille en Syrie. On va recevoir notre président, chef des armées, François Hollande. Oula, c'est grave. Hein. Gardez-vous. Mes respects, général Leclerc. Sergent Cabrol, capitaine Morandini, le bit Soto. Fallait s'y attendre là. Alors, monsieur le président, parlons de la guerre en Syrie et des événements à Damas. Damas, ton hiver impitoyable. Oh non, pas vous. C'est chaud ce matin, c'est chaud. Écoutez, franchement, mais bien la merde, Obama. On peut être sérieux, monsieur Hollande, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du revirement? J'ai bien résumé l'actualité ce matin. Bah oui. En deux mots. Merde et Obama. Bah justement, à propos d'Obama, qu'est-ce que vous pensez de son revirement sur le dossier syrien? Il propose d'intervenir, puis finalement, il demande plus de temps. Enfin, on ne sait pas. Écoutez.
Cher Jules Clair, oui. Je vous le dis en confidence, je trouve Barack Obama un peu léger sur le dossier syrien. Ah bon. Pourquoi vous cachez vos lunettes cassées avec une mèche blonde approximative? Tout le monde voit que vous avez un scotch sur votre lunette. On dirait Zazette, Père Noël est une ordure. C'est la matinale, en principe on arrive avec sa trousse, ses crayons neufs, vous avez la lunette cassée. J'ai oublié mes lunettes chez moi. Elle est folle, la Leclerc. Ah, le loup, pardon. Alors, monsieur Hollande, s'il vous plaît. Barack Obama, comment je vous trouve le trouvez Barack Obama léger, je vous l'ai dit, sur le dossier syrien. Hier, dimanche, je l'appelle, à 11h du matin. Eh bien, savez-vous quoi? Je le réveille. Oui, disons les mots tels qu'ils sont, il pionçait. Tranquille, Barack Obama. Quelle feignasse entre nous. C'est pas en se levant dès 11h du matin, un dimanche, qu'on va résoudre les problèmes du monde, et en particulier la Syrie. Monsieur Hollande. Pas sérieux. Mais il y a le décalage horaire, enfin, quand il est 11h à Paris, il est 6h de moi à Washington. Vous l'avez appelé à 5h du matin, Barack Obama. Voilà. C'est pas con ça, Caporal Leclerc. Vous savez, je vais penser à vous au prochain remaniement. J'en ai nommé des ministres pour moins que ça, Leclerc. Puis je sens que vous avez une vision sur la France. Un peu scotché, mais une belle vision. Arrêtez avec ça. Comment vous allez travailler en duo avec les États-Unis? Attention, parce que vos cheveux collent au scotch de la lunette, donc du coup. Mais c'est pour me cacher. Mais oui, mais ça colle, il y a du scotch, c'est un double face. Je vous en prie, enchaînez, allez. Ça n'intéresse pas l'auditeur. Mais dépêchez-vous, parce que le temps passe. Oui. Comment vous allez travailler en duo avec les États-Unis, monsieur Hollande? Concrètement, qui va faire quoi? Allez. Qui va faire quoi? Nous apporterons notre part. 50-50. Les Américains fournissent le matériel, les missiles, les hommes, déterminent la stratégie. Et vous, nous. On fournit la carte Michelin de la Syrie, le guide du routard. 50-50. Et maintenant, nous en avons fini. On rompait. Sauf le nouveau. Engagé saute au corvée de patates. Bien, chef. Il y a 15 tonnes de patates de l'engagé Toussaint qui nous a laissé. Enfin, juin l'année dernière, il faut les bouffer. Alors, prenez les plus chez légumes et montrez-nous que vous en avez dans le pantalon, Soto. Rompez. Quel baptême, Thomas. Allez, il voudrait lui aussi intervenir dans la guerre en Syrie. C'est le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Oui. Bonjour les coinsos. C'est Bébert 75. Ne commencez pas à rire, s'il vous plaît. Exaglousse. Oh non. Regardez, malade. J'arrive à peine et la Polonie qui pousse. Et Soto qui rit. Oui, rit Soto. Oh, on va pas la refaire, ça y est. Oui, on l'a fait la semaine dernière. Oh, on peut mettre deux fois la même chemise dans la même semaine. Bertrand Delanoë, vous vouliez nous parler de la Syrie. On vous écoute, la guerre en Syrie. Allez. Car je suis pour une intervention militaire. L'attitude de Bachar el-Assad, il faut le dire, est inadmissible. Utiliser des armes chimiques, ce n'est pas digne d'un dirigeant. Et j'en sais quelque chose puisque j'étais confronté à ce problème cet été, le problème des armes chimiques. Ah bon, mais comment ça? À Paris? Il se trouve que chez moi, à mon domicile, à la mairie de Paris, l'été, je dors les fenêtres ouvertes. Oui, et mais comme nous habitons près d'un marécage... Ah, vous voulez dire le marais, le quartier du marais? Non, la Seine. La Seine, nous sommes envahis de moustiques. Ah, c'est ça. Et moi, vous le savez, je déteste me faire pomper à longueur de journée tout mon sang. Oh. Oui, il faudra vous y faire, monsieur Soto. Et comme par hasard, vous l'aurez remarqué, chez les moustiques, il n'y a que les femelles qui piquent. Oui, ça, on sait, oui. C'est toujours les femelles le problème. Bref, oh, bah merci. C'est alors imposé à moi le problème des armes chimiques. Est-ce que je vaporise ma chambre de bégon jaune mosquito control protector et que ça pique? Ou est-ce que j'opte pour un badigeonnage complet de mon corps à la citronnelle? Tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus bio. Et donc, vous avez refusé les armes chimiques, contrairement à Bachar el-Assad. On en vient. Oui, et vous savez pourquoi j'ai refusé? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être assimilé au président syrien. Ah, pourquoi? Je ne voulais pas qu'on m'appelle le Bachar el-Assad. Non, pardon, le Bachar de l'hôtel de ville. Ah oui, sinon c'est oui. Oui, c'est pas drôle. Non, on refait alors, le oui, Bachar de l'hôtel de ville. Le Bachar de l'hôtel de ville. Eh ben voilà, là c'est drôle. Pour ceux qui n'ont pas compris, le BHV. Natacha Pouffet, s'il vous plaît. Allez, il est aussi avec nous pour la rentrée. Il va nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini.
Oh non. Là c'est trop là, arrêtez. Et oui, aujourd'hui on va parler de cette émission qui fait le buzz monstrueux dans le monde entier, Secret Siri. Aujourd'hui, dans Secret Siri, les candidats n'ont toujours pas trouvé le secret de Bachar. Alors, a-t-il oui ou non lâché des gaz dans la maison secrète? Barack Obama a demandé au public de voter. Alors, pour sauver Bachar, tapez 1. Pour ne rien faire et mettre Hollande dans la merde, tapez 2. Et pour éliminer définitivement Bachar, tapez dessus. À vous, j'ai tout de suite dans le grand monde. Nicolas, belle rentrée, Nicolas, bravo. À demain, Nicolas, merci beaucoup.